On la touche. Bon voilà, il est 5h44, on vient de se lever. Et là on va boire le petit café avant de partir. Madame est là, elle boit le café aussi. Regardez-le toute belle au réveil. C'est les yeux qui piquent. Oh mon dieu. Je fais pas. Et après, on s'en va. Oui. Là on s'en va sur spot et donc on connaît pas, mais là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, il y a plein d'arbres et du coup on va essayer de se rapprocher là-bas. C'est, il faut vraiment qu'on recherche les meilleurs spots à Silure, surtout pour la pêche au cassan depuis le Zodiac. Voilà, tout nouveau spot. J'ai l'impression de voir à côté un endroit où on peut descendre peut-être, hein, du bord, je suis pas sûr. Alors, regardez-moi cet arbre là, regardez cet arbre immergé les potes. Si ça, c'est pas un spot à silure. Et un cassin depuis le ZAD, c'est parti. Donc voilà, là on a trouvé potentiellement une zone, donc il y a 3,70 m. Je parle pas trop fort parce que voilà, je vais pas faire trop de bruit. Oui. Donc 3,70 m, on voit qu'il y a du fish. On voit que ça n'a jamais été pêché au cassin. C'est pour ça que je vous dis, il faut pêcher depuis le Zodiac ou même un faux tube. Parce que vous pouvez trouver sur des zones où potentiellement mais personne n'a jamais pêché au cassin. Donc c'est des zones qui sont même pas pêchées du tout, même au leurre, parce que c'est hyper dangereux. On peut accrocher, etc. Bon, bref, là je vais préparer le cassin, donc le bouchon pour le cassin. Donc là je suis en plan de 100 grammes pour ces montages là, donc c'est pareil, c'est les mêmes que vous avez vu pour la verticale, hein. Pure carbone, avec un plan qui est coulissant, avec une gaine puisqu'on peut régler le plan à la hauteur qu'on veut, c'est-à-dire que si on veut que le plan soit plus près du vif, on le mettra plus bas, ça va le fatiguer beaucoup plus, donc forcément par rapport au poids, à la taille des vifs, voilà, on peut régler le plan, c'est en fluorocarbone carbone, et ensuite on a fait l'armement en tresse en bas. Voilà, je vous avais déjà fait le montage sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc triple en bas, hameçon, voilà. Et ensuite le plan en gros qu'on va pouvoir coulisser pour laisser un peu plus libre le vif finalement. Ben voilà, le cassin il est placé, maintenant on n'a plus qu'à attendre. Donc là on est passé simplement, vous voyez. Maintenant, tranquille et mine. Et on verra ce qui se passera. Ça peut être un petit silure, comme un gros, comme rien, on verra. Voilà.
prend le vif et qu'il s'en va directement dans le courant vers le plus bas, bah, ça m'arrange. Ah oui. Si par contre il prend directement et qu'il s'en va vers la gauche, ça m'arrange beaucoup moins déjà. Bon, Zodiac, la facilité, c'est qu'on peut rejoindre le poisson. Alors qu'au cassant du bord, c'est un peu plus dur. Bon, on voit que le vif, il bouge quand même. Allez. Il peut y avoir une touche instantanément, comme d'ici une demi-heure. Généralement, c'est assez rapide quand même. Ah, j'ai pas mis mon petit grelot. J'ai pas mis mon petit grelot, j'ai mon petit grelot que je me suis fait. Mon petit rattle. Rattle maison. Je l'ai pas mis. Ça peut énerver encore plus. Ben, pour tout à l'heure, peut-être, on verra. On verra, on verra. Mais le temps, voilà, il est assez gris, donc pour l'instant, ça peut être pas mal. Là, c'est un joli spot. Hein. Il y a moyen de ouf. Bon, ça fait une heure de cassant. Oui. Bon, rien pour l'instant, mais pas mal d'activités. Après, c'est de bonne heure, on a encore le temps. Peut-être que je reviendrai sur la zone, peut-être que je ne sais rien. On verra. En tout cas, on va changer de zone. J'ai une zone qui est juste en face et avec un gros abri immergé, donc je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout. On va y aller voir. Alors, s'il y a un peu d'eau, si la profondeur, tout ça. Il y a peut-être moyen, on a vu du gros poisson sauter là-bas, de la carpe aussi. Il y a bonne zone de carpe ici. Et là où on est stocké, là c'est pareil. Bonne zone à carpe, là on est sous un noisetier. J'ai sondé un petit peu, c'est vachement plat. D'ailleurs, si vous avez un sondeur aussi, que vous sortez comme ça sur des spots, profitez-en pour un petit peu regarder, comme ça vous connaissez un petit peu les zones. Et là, je peux dire que belle zone à carpe. Oui, c'est sympa. Il y a moyen aussi de faire de la carpe ici. Il y a des moyens. Bon, allez, on bouge, madame. On bouge. Bon, on est en train de s'atteler. Deuxième cassin posé. Donc voilà, donc ouais, j'ai des carassés un peu trop petits et font un peu la tête, quoi. Ils sont pas assez actifs. Je vais voir si je pourrais faire du chevelin si jamais dans la journée, de la matinée. Voilà, j'en ai remis un autre, on va voir. Un bon poste, hein. Bon, encore une bonne découverte. Voilà, un gros cassin qui a été laissé, une grosse corde. Voilà, les mecs, putain, si vous faites pêcher au cassin, là, mais enlevez vos cordes, ça n'a rien à faire là, quoi. Moi, je pêche directement avec du fil, je récupère mon fil à chaque fois, quoi. Bon, on croise les doigts, les potes. On croise les doigts cette fois-ci. Là, c'est une bonne zone, je vais vous montrer vite fait. Donc, voilà la zone. Donc, là, bon, pour l'instant, le carassin a l'air d'être un peu actif. On verra, on essaiera le cheval. Hein. Si jamais on a moyen de faire du cheval. Donc, voilà. Donc, là, on vient de poser. Tout juste à l'instant. Et on va attendre. C'est à mon poste, franchement. Et let's go, c'est parti. Pas sûr. Bon, les changements de plan, place à la verticale. Avec les carassins qu'on a, ils sont trop petits et voilà. Du coup, ils bougent pas assez pour pêcher au cassin. Là, on voit quand même du poisson là, actif. Bon, après, il faut que le carassin essaie de bouger un peu, vu ce que j'ai. On va se débrouiller. On va voir. Essayer de faire du chevin, c'est impossible. Trop de courant. Trop de débit. Les carpes sont actives. Oh, on la touche. Ouf. Il est petit. Oh, allez, on décapote. Il en faut encore. Ah, bien joué.
petit bois, mais voilà, ça y est. Bon, il est pas gros, hein. Il est pas gros, bon, décapote. Hein. Je l'ai vu qu'il était monté. Bon, ouais, c'est un petit, allez. Ça fait des rappels gratos. Alors. Sortir le décor. Il est énervé. Il a engamé. Il avait vraiment de la gueule, le poisson. Oh, énervé le petit, quoi. Pince là. Voilà, pour les crochets, on va rigoler. T'es. Parce qu'il a pris d'une façon. Il a pris l'autre. Allez, petit tout. Il va. Ouais, pas gros, hein, petit. Un mètre à tout casser. Ah oui. Bravo, monsieur, ah, le pouce bleu. On va faire le release. Hein. Au revoir. Oui. Ah, la fameuse arrosage du feu. Pouce bleu. Bravo. T'as la mérité, c'était galère. Ah ouais, grave. Bon allez, on va essayer de faire un poisson à madame. Oui, le mien. Il est monté en flèche, on voit la tâche, là, regardez. Je sais pas si tu vas le prendre. Bah, j'aimerais bien. J'ai insisté un peu, mais. Il est monté en flèche. Hein. Bon, c'est pas un big non plus, hein. Les big on les voit, mais. On voit qu'il y en a un qui a décollé là. Je suis sûr que ça va le voir direct, qui redescend. Ça a l'air plus joli, ouais. Essaye de redescendre ton vif, mais juste avec ta pointe à la canne. Voilà, stop, stop. Bon, ça va le redéclencher. Il avait l'air plus joli, celui-là, déjà. J'aurais dû apporter des coquettes. Eh oui. Ah, il a, le voilà, hop, il se posait au fond. Il était avec toi. Ah, il remonte. Ouh, il a l'air énervé, il est dessus. Il est dessus. Pouf, eh bien, difficile. C'est dur, hein, difficile, ça c'est ta faute, comme d'habitude. C'est toujours ma faute, c'est jamais de la tienne. Ah bon, juste décapoté. Hein. Gna. Non, bon, voilà, on a voulu un peu tester le cassa, mais j'avoue que l'eau est très très froide, donc vraiment difficile. C'est très dur. Du coup, on s'est mis à la verticale, c'est ce qui nous a permis de décapoter. Ouais. Madame aurait pu, mais voilà, les vifs étaient un petit peu en mauvais état, quoi, ils étaient très fatigués. C'est parce que je suis pas maillot de bain. Voilà, ah, c'est ça. Dites-nous, laissez un commentaire si vous faites du poisson. En attendant, on espère que ça vous a fait plaisir. Ça vous a fait plaisir d'être en notre compagnie. Et d'avoir découvert un spot abusé, abusé et sur Tarn. Ah, allez, bref, on vous parle bientôt aussi du projet que l'on a. Bientôt. On vous souhaite une excellente soirée, que du bonheur, pas mal de bonnes pêches. De beaux poissons aussi, hein. Et surtout qui fait la vie, qui fait la pêche, les potes. Hein. Surtout aller pêcher. Ouais, on rentre. On rentre. Allez, ciao, ciao, les potes. Ciao. Comment on fait maintenant? Un poisson là. Mais tu vois, je vais pas pleurer là, avant de prendre la maison, là, que j'ai pas pris de poisson encore. Voilà, là. Ah, qu'est-ce qu'il y a là?